y a autant de musique que de moments conviviaux, pour ne pas dire autre chose. Souvenant, c'est un groupe d'amis en fait, hein, qui a créé Souvenant. Mais c'est un nom qui nous plaisait en fait. Et donc quand on a évoqué ce nom-là, ça a fait l'unanimité. Et ça nous allait bien. Et en plus, l'histoire veut que, comme on a créé le groupe en 2009, donc juste avant la grève, ben du coup, comme il n'y avait pas de carnaval en 2009 déjà, effectivement, n'oubliez pas, ben, on a ramifié en fait les autres groupes. Donc le tout venant a encore mieux porté son nom. On n'a pas créé un groupe enfin, pour briller, on n'a pas créé un groupe pour montrer aux autres. On sortait d'autres groupes, enfin, plein de membres sortaient d'autres groupes parce qu'on était... On avait fait le tour de nos groupes, je ne vais pas les citer parce que c'est des groupes qu'on adore jusqu'à maintenant. Mais voilà, on avait mûri, grandi et donc on a créé une nouvelle aventure. Je ne sais pas si on est renommé en fait. Hein. Non mais en fait, non, sans fausse modestie et honnêtement, enfin, il n'y a pas d'orgueil et tout. Je pense que c'est le... Mais 2009 en fait a été marquant par rapport à la grève dont je viens de parler. Et notre renommé, en fait, c'est un groupe qui chante. Mais qui ne fait pas qu'injurier, comme je dis. Donc c'est des chants conscients. L'idée, c'est de faire des chants sur l'actualité, comme nos anciens le faisaient, Wenem et Poul, enfin voilà, ça a toujours été des morceaux sur l'actualité, beaucoup de la politique. Et en 2009, ben, le sujet de la grève nous a inspirés. Donc on a sorti énormément de sons en 2009, encore plein de sons après, mais je pense que c'est ce qui a fait notre renommée, en fait. Mais, nostalgiquement, je dirais les deux premiers. Alors, le premier, 2009, effectivement, on ne s'attendait pas à ça puisqu'on a reçu le renfort de groupes qui n'existent même plus, notamment, je pense à Symphonic Sexy Band, qui n'existe plus. Et c'était des copains avec lesquels ben, j'étais dans un groupe de chanter Noël avec eux, dans Yam Sasa, pour les citer. De Move, Vacabond n'existait pas encore, mais en fait, de différents groupes. Et c'est vrai que ce premier carnaval a été pour nous enfin, un grand moment parce qu'il bon, n'y avait pas de carnaval. Et finalement, on s'est retrouvés dans, en Fort de France à faire un lionnage, un tout venant justement. Par contre, et l'année d'après, ben finalement, l'année d'après, c'était le vrai test, grandeur nature, avec les autres. Et on s'est, ben, là, on a su ce qu'on, entre guillemets, on valait, entre guillemets. Et c'était les deux plus belles années. On a des familles à protéger. Donc, moi, j'ai envie de dire, bon, surtout, peace, voilà. Surtout, pas de violence. C'est le seul conseil que j'ai envie de donner. Il y a forcément qui auront envie de défier ce qui va nous être, on va dire entre guillemets, imposé. Mais forcément, bon, je ne suis pas à la place du gouvernement. Ils essaient de faire comme ils peuvent. Je ne suis pas là pour faire de la récupération politique non plus. Donc, en tant que président d'association, évidemment, le mot d'ordre, ça sera que ben, nous, on fera que des choses organisées et autorisées. Après, les membres sont des personnes à part entière. Si elles décident de faire ce qu'elles veulent, je n'ai pas le pouvoir de les en empêcher, et encore moins le reste de la population, mais en tout cas, prudence. J'étais très petit, en fait, entre 4 ans et 12 ans, donc j'étais sur le char. Et je me souviens, ben, l'année de mes 12 ans, le char est tombé en panne près de la mairie. Et bon, on attendait la réparation, donc ça a duré un certain temps, et puis des groupes à pied ont commencé à passer à côté. Et voilà, de ce jour-là, je suis descendu du char et je ne suis plus jamais remonté sur le char. Donc ça fait déjà quelques années. Donc depuis, j'ai le virus du groupe à pied. Négocier, il y a une certaine liberté. C'est vrai que je sais que les hommes d'origine sont admirés, appréciés. Les négocier sont fuis. J'ai envie de tester les deux, en fait, tout simplement. Donc, je n'ai pas encore de choix. Ah, vidéo en pyjama. Ça, c'est, par contre, là, je fais mon choix. Vidéo en pyjama, clairement.